J'ai deux enfants, j'ai envie de leur laisser quelque chose de positif derrière. Je pense qu'on a une obligation de le faire par rapport au nombre de convives qu'on sert tous les jours. La difficulté qu'on a en collectivité, c'est qu'on a une clientèle qui revient tous les jours. Il faut leur faire plaisir tous les jours. Et moi, le plaisir, ça passe déjà exclusivement par les produits. Il y a des grands chefs qui le disent. Une assiette, c'est quoi? C'est 70% de produits, 30% de technique. Maintenant, les produits, il a fallu que j'aille les chercher. C'est une cuisine que j'ai voulu faire autour d'une cuisine terroir. J'ai voulu surtout travailler en circuit court et à travers des filières raisonnées telles que le bleu blanc cœur ou le bio. Il est tout de suite dit, voilà, c'est pas possible de faire parce que j'ai un budget moindre et tout. Alors nous, on n'a pas un budget extraordinaire, sauf qu'il y a des choses à mettre en place qui sont toutes simples et qui se font naturellement. J'équilibre mes coûts matières du lundi au vendredi. Moi, j'ai un public adulte qui aime les abats. J'adore cuisiner les abats. Un abat travaillé, cuisiné, c'est absolument extraordinaire. Ça réduit les coûts matières. Moi, j'ai un maraîcher bio, c'est-à-dire quand il travaille, moi, je lui achète une partie de sa production. Dès que ça sort de terre, ça vient chez nous. Lui, il sait pourquoi il travaille et moi, je sais qu'en échange, la qualité du produit, elle est là. Donc, ça réduit les coûts matières parce que lui, il sait qu'il n'aura pas de perte. Sur les filières, la filière porc ou bovine, je valorise au maximum les bêtes. Donc, en fait, eux, ils savent que leurs bêtes ne sont pas vendues à perte et donc, on arrive à réduire les coûts tout simplement. Pour moi, c'est super important de valoriser le travail des gens, que ce soit en cuisine, mais surtout les personnes en amont, c'est-à-dire les éleveurs, les producteurs. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, je mets la tête ou le nom de l'éleveur en photo pour dire que voilà, mes produits proviennent d'un tel ou un tel. J'accorde énormément de souplesse maintenant à l'équipe parce qu'ils ont compris ma démarche, ils ont compris le créneau dans lequel je voulais aller. Et donc, je les ai énormément accompagnés au début. Et maintenant, à contrario, je les laisse faire au maximum et ils sont très, très impliqués dans ce qu'ils font. On est passé une filière à agriculture raisonnée, comme le bio, le bleu blanc cœur, beaucoup plus qu'avant. Les assiettes sont finies, les gens mangent, il n'y a plus de pertes, il n'y a pas de perte en eau. Par exemple, le gras sur le cochon, par exemple, ne font pas, est mangeable et c'est un exauceur de goût, ça. Donc c'est absolument extraordinaire. Et on a une clientèle qui vient manger le cochon exclusivement chez nous. Je dis que c'est facile, mais c'est facile maintenant, mais depuis 3 ans que je suis ici, c'est depuis une petite année que je vois vraiment le travail qui a payé, mais ça a été 2 ans d'acharnement, quoi. 2 ans au téléphone sans arrêt avec les éleveurs, les producteurs. Voilà, c'est un travail de confiance. On arrive à fidéliser et notre clientèle et notre personnel. Il faut se lancer, l'aventure est absolument extraordinaire.